Le grand secret de ma vie remonte à l'époque de mes 15 ans. J'avais une petite amie. Mon beau-père était très croyant. Et nous vivions dans une petite ville conservatrice, où je devais cacher qui j'étais réellement. Il fallait que je parte. Alors j'ai travaillé ici et là, pour pouvoir m'inscrire à l'université dans une grande ville. Là, j'ai enfin pu être moi-même. Mais sans aucun soutien. J'ai vécu dans la pauvreté la plus totale, luttant constamment pour m'en sortir. Et puis, j'ai rencontré beaucoup d'autres jeunes LGBTQ+, qui avaient dû aussi tout quitter. C'était libérateur de trouver une nouvelle famille. Pour la première fois, j'étais intégrée. Je ne peux pas rentrer chez moi. Mais dans ma nouvelle famille, nous nous aidons les uns les autres. Et nous nous acceptons tels que nous sommes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls.